Nous sommes particulièrement heureux d'être partenaire de MOVE 2019 à Grenoble parce que le transport et la mobilité sont les premiers consommateurs d'énergie et les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu tout particulier à se saisir de la question, à croiser les points de vue et à imaginer ensemble les solutions de décarbonation et de sobriété de nos mobilités. Le transport et la mobilité sont responsables de 38% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi un formidable enjeu de santé publique. Le transport est émetteur d'oxyde d'azote, par exemple, qui est un fort polluant. Donc il y a un enjeu très fort à s'emparer de cette question sur plusieurs aspects. Sur des aspects de pouvoir d'achat, d'abord. On doit pouvoir, chacun d'entre nous doit pouvoir se déplacer dans des conditions qui vont nous permettre d'accéder aux services, aux emplois, à la ville et tout ça dans des conditions de santé publique, d'efficacité performante. Et voilà, donc c'est ce pourquoi aujourd'hui on doit inventer les enjeux d'un transport et d'une mobilité décarbonée et sobre. Décarboner, ça veut dire qu'il faut sortir du tout pétrole en utilisant l'électricité, en utilisant le gaz, l'hydrogène, mais aussi le vélo et la marche, par exemple, qui sont l'ensemble des solutions que l'on a auprès de nous. Donc, articulons décarbonation, hein, sortir du carbone pour nos transports, et soyons sobres aussi sur nos transports.